personne? Derrick. Oui. Oui, il est là. Harry, une dame pour toi. Non, entendu, j'arrive. Tu t'occupes de ça à vitesse. Merci. Dis-moi, tout ça, c'est pour Ice Wolf? Non, uniquement une partie, Dieu soit loué. Merci. Allô? Ah, Anna, ça va? Je suis contente de t'entendre. Je peux te voir? C'est très urgent, tu as le temps? Le temps, hein? Peux-tu me dire ce qui se passe? On peut se rencontrer, c'est important, je t'en prie, Harry. J'ai peur pour ma vie. Ok. Où peut-on se voir? Est-ce que tu te souviens de notre café à Schwabing? Oui. Alors là. Entendu. Qu'est-ce qui se passe? Une hôtesse de l'air que j'ai connue il y a 3 mois, c'est une copine. Elle appelle et elle me dit qu'elle a très peur pour sa vie. Ah. Uh-huh. Je viens d'arriver d'Athènes. Un remplacement. On a eu 3 jours d'escale. Au pire, j'ai fait la connaissance d'un homme. Bonne éducation, intelligent. C'est un océanologue. Il disait des choses merveilleuses. Il était au pire avec son bateau laboratoire. Il m'impressionnait. Je suis pourtant pas une petite fille. Et tiens-toi bien. Cet homme a voulu que je ramène en Allemagne un paquet. Un truc en plastique. Très petit, tu comprends? Des études qu'il ne voulait pas envoyer par la poste. Ça me semblait normal. Je te répète qu'il m'impressionnait. J'avais la sensation qu'il était gentil avec moi et c'est pour ça que j'ai dit oui. Et il m'a remis aussi une valise de cette taille environ. Elle faisait 2-3 kilos. Harry, il me semble que j'ai fait une chose strictement interdite. Alors j'ai commencé à m'inquiéter. Ensuite, j'ai pensé... Pas de ça. Il faut que je lui rende. Il faut surtout pas la prendre. Dis-lui que tu t'excuses, mais que c'est trop dangereux. Je suis retournée au Pirée tout de suite. Seulement, je n'ai pas pu le voir. Il ne connaissait pas cet homme ni son bateau. Salut. Tu es en retard. Ça m'intéressait de savoir ce que je devais amener ici. Anna, est-ce que tu as ouvert cette valise? Oui. Je l'ai mise en morceaux. Il y avait 3 kilos d'héroïne. Bon, écoute, Anna, comment ça se présentait? Des paquets en plastique. J'avais une trouille bleue. Je me sentais perdue. J'ai pensé à la police, mais j'avais peur qu'il ne me croie pas. Vois-tu, je me rappelle qu'un garçon s'est fait arrêter en transportant sans le savoir une fortune de gamme. Il en a pris pour 15 ans et en Grèce. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Je t'avouerai que j'ai eu peur, j'ai paniqué. J'ai tout balancé. J'ai tout balancé dans les toilettes. Je crois que j'ai commis une faute énorme. À qui devais-tu remettre tout ça en Allemagne? On devait en prendre livraison. Mais qui? Un homme devait le récupérer. Un certain Stein. L'homme savait ce que je devais rapporter. Harry, je me suis collée dans une affaire de drogue, tu entends? Est-ce que tu peux réaliser combien j'ai peur? Comment est-ce que je vais m'en tirer? Est-ce que je peux dire que j'avais ouvert la valise avec la cam et que je l'ai jetée? J'ai jeté toute l'héroïne. 3 kilos. Qu'est-ce que ça peut valoir? 1 million? Ou plus que ça? Plus d'un million, oui. C'est pour ça que je t'ai téléphoné. Il fallait que je te raconte tout ça. Voyons, Madame Reimers,
Vous auriez dû aller à la police afin de leur raconter votre petite histoire. Il n'y avait rien d'autre à faire. La police l'aurait-elle cru? Ce n'est pas aussi évident. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait qu'ils aient compris la situation. Naturellement. Dites-moi, a-t-on déjà pris contact? Vous a-t-on appelé? On a téléphoné 2 fois ce matin, oui, mais j'ai pas décroché. C'est parfait, vous avez bien fait. Bon. Voyons voir, Harry. On devait s'occuper ce matin du meurtre de Schliemann, mais nous n'avançons pas d'un poil. Et qui s'en occupe aussi? Je crois que c'est le BTM. Oui, le BTM. Il est question de Cam, il me semble. Bon, on va aller chez nos collègues des stupes et on verra ce qu'il y a. Vous attendez un moment, hein. Billy? Oui? Donne à madame un bon café. D'accord, Derek. C'est une bonne occasion de savoir qui se cache là-dessous. Seulement, qui vous dit qu'on y verra clair? Vous cherchez les meurtriers de Schliemann? Oui, oui, je sais bien, ce sont peut-être d'autres gars, mais peut-être pouvez-vous remonter jusqu'à ceux que nous cherchons. On pourrait peut-être travailler ensemble pour une fois. Oui, mais faut se montrer très futé. Ça veut dire quoi, futé? C'était stewardess. Comment elle s'appelle? Reimers, Hannah. Ah oui, entendu, entendu, oui. Et si jamais quelqu'un veut venir la voir, que fait-on, Derek? Écoutez-moi, un moment, veux-tu, éteins-moi ce truc, tu pourrais finir par te tuer. Je crois que tout d'abord, il est important que personne ne sache qu'elle savait ce qu'il y avait dans les paquets en oui, plastique. Oui, je pense aussi. Hein? Il n'y a qu'une manière de pouvoir arriver à identifier celui qui viendra prendre la valise et lui mettre la main dessus. Mais pour tout le monde, ce sera un hasard. On doit arranger une souricière pour que personne ne fasse de rapprochement et que la gosse ne soit pas dans le coup. Excellente idée. Comment on va faire? Je sais pas encore. Harry, tout doit être mis au point à la perfection. Mettre au point, c'est facile à dire. Stéphane, il y a du danger pour cette fille. Harry, je sais qu'il y a du danger pour cette fille, et c'est pour ça que tout est très difficile. Tu aimes bien cette petite, hein? Oui, j'ai peur pour elle. Oui. Elle peut dire que la douane lui a piqué la valise. Harry... Stéphane, je sais bien, mais si elle leur dit qu'elle a balancé la valise, ils vont la battre. Oui, tu as raison. Billy. Oui. Dans quel état est-elle? Elle a la trouille. Est-ce que je peux vous faire une proposition? J'attends un coup de téléphone. Ce Stein va appeler et il va donner un mot de passe. Nous conviendrons d'un rendez-vous dans un endroit précis. Je pourrai me rendre à ce rendez-vous et vous intervenez. Et vous l'arrêtez. Et vous m'arrêtez aussi. Ils penseront que quelqu'un m'a donné aux flics. Peut-être par l'homme d'Athènes. Ou par ses complices. C'est très exactement l'idée qu'ont émise nos collègues des stupéfiants. Oui, ce serait possible. Seulement, c'est trop compliqué. Ce sont les choses simples qui peuvent avoir le plus d'efficacité. À quoi ressemblait donc la valise qu'on vous avait remise? À celle-là. Est-ce que c'est la réplique de la valise? Oui. Excellent. Tout ceci est très bon. Nous allons tout préparer. Les sachets en plastique. Plein de poudre de n'importe quoi. De lait, par exemple. Et quand Stein vous appellera, vous prendrez rendez-vous tous les deux et vous lui remettrez la valise. Oui. Les gars des stupes vont le coffrer en douceur. Il faudra qu'il fasse très attention à ne pas se faire repérer par lui. Il faudra le piquer... ni trop tôt, ni trop tard. Pour qu'ils ne puissent pas se rendre compte que ce n'est pas de l'héroïne. Il faudra faire en sorte qu'ils pensent avoir été pris en filature. Il ne faut pas qu'ils fassent de rapport entre vous et le fait que nous l'avons pris. Anna, tu sauras faire ça. Oui. Tu vois bien que tu t'en tireras. Non, c'est pas aussi facile. Il y a plus d'un risque, naturellement. Mais ne te fais pas de bile. Il faut qu'on arrive à la sortir de là. Répondez. Garde ton calme. Pas de voix tremblante. Compris? Je vous écoute. Allô, bonjour. Stein à l'appareil. Je parle bien à madame Hannah Reimers? Oui, Hannah Reimers, c'est ça. Ah, monsieur Stein. Vous êtes l'homme pour lequel j'ai ramené un petit paquet d'Athènes. Oui, exactement.
J'ai parlé avec vos amis au sujet de la marchandise. C'est bien, continuez. Oui, on m'a raconté, vous leur avez fait une très bonne impression. C'est la raison pour laquelle on vous a confié la valise. Pourrais-je passer vous voir? Et quand voulez-vous venir chez moi? Tout de suite, je peux être chez vous dans 3 minutes. Je suis dans une cabine, tout près de votre maison. On vient de sonner. Quelqu'un sonne à la porte. Un moment, monsieur, je reviens. Dites-lui que vous avez une visite, mais qu'il vienne tout de suite s'il le veut. Vous avez une tasse de café prête à tout hasard. Pas d'inquiétude, il va refuser l'invitation parce que vous avez une visite. Dépêchez-vous. Je suis désolée, un ami est à la maison. Mais vous pouvez venir? Allô? Vous êtes là? Oui, je suis là. Je ne veux pas vous déranger. Oh, mais ce n'est rien. On peut boire une tasse de café, peut-être. Non, non. Une autre fois, merci. Je vous rappellerai plus tard. Vous serez chez vous dans la soirée? Naturellement, j'y serai. Parfait, alors à bientôt. Allons, ça y est. Nous avons maintenant tout notre temps. Stein, votre ami est toujours là. Non, non. Vous pouvez venir. Vous serez là quand? Dans 5 minutes. Je vous attends. C'était bien? Super. Bon. Anna, pense-y. Tu ignores tout à fait ce qu'il peut y avoir dans la valise. Oui. Tiens-toi prête. Oui. Stéphane? Notre homme a appelé. Il sera là dans 5 minutes. Entendu, Harry. Comment va la petite? Très bien, elle garde son sang-froid. Je vais arriver tout de suite. Ok, compris, terminé. Tu sais comment tu es? Super! Vous avez entendu, 5 minutes. Tout le monde est prêt? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on est paré. Alors, on a le trac? Un peu, oui. Tout ira très bien. Nous avons des hommes un peu partout. On n'a pas la trouille? Non, non. Bon. Garde les yeux ouverts. Cochonnerie de truc. Derrick, il arrive. C'est un motocycliste. Entendu. Il arrive. Madame Reimers, surtout rassurez-vous. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Hein? Aucune. Anna, tu restes normale, normale. On est là. Monsieur Stein? Oui. Oh. C'est bien moi. Vous, l'océanologue? D'abord, toutes mes excuses, madame. Je suis désolé de vous ennuyer. Oh non, ça n'a pas d'importance. Par ici. Merci. Vous êtes bien ici. Vous avez une profession très intéressante. Oui. Vos collègues m'en ont tellement parlé. J'ai fini par vous envier. Vous avez aussi une intéressante profession. J'aime bien. Hôtesse de l'air.
Il y a aussi de mauvais côtés. Je vous offre à boire. Qu'est-ce que vous désirez? Oh, rien du tout. Je ne reste pas longtemps. Je viens prendre une valise. Il s'agit d'une valise. Oui, c'est ça, une valise. Aucune sorte de difficulté? Une difficulté? Non, pourquoi? Je voulais le savoir. Tout cela m'avait inquiété. Seulement, je suis heureux de constater que vous êtes solide. Pas autant que ça. Bon, maintenant, je vais chercher la valise. Madame Reimers, essayez de le faire se retourner une minute. La voilà. Ah oui, au fait, on ne m'a pas donné de clé pour elle. C'est pas grave. Non, c'était entendu. Eh bien, je vous remercie pour m'avoir apporté cela. Le trajet Athènes-Munich, vous le faites souvent? Ça m'arrive deux fois par semaine. Voyez-vous, il faudrait que nous fassions faire de temps en temps quelques expéditions. Est-ce qu'on pourrait, une fois encore, faire appel à vous? J'en sais rien. Vous savez, il nous est strictement interdit de faire ce genre de choses. Raison de plus pour vous remercier. Qu'est-ce que je peux vous offrir en échange? Non, rien du tout. C'est pour votre collègue que j'ai accepté. Il m'avait impressionné. Alors, je vous suis reconnaissant. Non. La sortie, c'est de l'autre côté. Je suis désolé, toutes mes excuses. Adieu. Ça m'a semblé long. Attention, il s'en va. Entendu, Derek. Je crois que je m'en suis pas mal tirée. Je me suis même pas énervée. Un peu au début. Mais ensuite, j'étais complètement détendue. J'étais plutôt curieuse. Nous t'avons entendu, c'était bien. C'était parfait. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le faire filer? Oui, il faut absolument savoir où il va, où il apporte la valise et à qui il va la remettre. Il faut pas le laisser ouvrir la valise? Non, pas question. On va l'arrêter avant qu'il l'ouvre. Arrêter pour détention de drogue? Exactement. Oui. Je suis soulagée maintenant. J'aurais pas réussi à dormir. Est-ce que vous voulez que je vous offre quelque chose à boire? Non, c'est gentil. Il faut que j'aille au bureau. Harry, je pense que tu dois rester jusqu'à ce qu'on sache comment ça tourne. Je vais voir si tout se déroule selon nos plans. Je vous suis reconnaissant. Et je vous remercie pour votre courage. Vous avez été fantastique. Arrête-toi une seconde. Ils sont en autre trousse. Tu fonces. D'accord. Un appel de recherche, tout de suite. Attention à toutes les voitures. Établissez des barrages. Voulez-vous me passer, Harry? Oui. Oui, Stéphane. Harry, écoute, on est dans la merde jusqu'au cou. On vient de perdre la moto. Oh, bon sang. On aurait dû les coincer plus tôt. Ils savent maintenant qu'il n'y a rien dans la valise. Ils risquent de devenir méchants.
Ça change toute la situation pour ton ami Anna Reimers. Ça risque de mal finir. Ne bouge pas, veux-tu? Et fais attention, je vais venir. Je crois qu'il ne fallait pas qu'on débouche aussi vite la bouteille. J'ai peur, Harry. Comment ont-ils perdu cette moto? C'est fou, ça! Ils vont tout comprendre. Ils voudront avoir ta peau. J'ai très peur. J'ai la trouille, tu comprends? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, non, non. Écoute, Harry, oui. Je suppose qu'ils savent qu'ils se sont fait avoir. Seulement, ce qu'ils ignorent, c'est par qui? Si c'est par le cas d'Athènes ou par elle? Pourquoi par elle? Pourquoi est-ce qu'ils lui en voudraient? La valise a passé la douane sans problème. Ils n'ont rien à lui reprocher. Ou alors la douane a trouvé ce qu'il y avait dans la valise. On peut tourner la question autrement, Harry. Ils ignorent si elle travaillait pour la police et ils se poseront la question. Ils savent que la gosse peut les identifier. Elle est la seule à connaître Stein. Est-ce que tu songes un instant à ça? Nous, on le connaît pas. Ce gars-là portait un casque de motard quand il est entré. Et il l'avait encore quand il est sorti. Je sais très bien tout ce que Anna risque. Anna. Vous devez retourner prendre votre service à quelle date? J'ai pris 10 jours de vacances. Où pourriez-vous aller pendant cette dizaine de jours? Chez mes parents. Ou alors chez ma sœur. Un appel, maintenant? C'est sans doute encore Stein. Écoutez un instant. Si c'est ce monsieur Stein, vous ignorez tout à fait de quoi il s'agit. Vous avez simplement fait ce qu'a dit l'homme d'Athènes. En dehors de ça, vous ignorez tout de cette histoire, d'accord? Répondez vite. Non, pas question. Vous allez répondre. N'aie pas peur. Ah, allô? Allô, c'est encore moi, Stein. Navré de vous déranger. Oh, ça ne fait rien. J'étais prête à aller me coucher. Qu'est-ce que vous voulez? Vous alliez dormir. Je suis vraiment désolé. Je voulais vous demander si on pouvait se revoir. Se revoir? Entendu. Où voulez-vous qu'on se rencontre? Attendez... une seconde, je réfléchis. Demain? Dans la matinée? Demain matin? Oh, non, le matin, je ne pourrai pas vous voir. Dans l'après-midi, dites-moi où. Je peux venir chez vous? Oui. Disons vers 3 heures. Oui. Entendu, merci. Excusez-moi de vous avoir embêté. Vous savez que pour quelqu'un prêt à se coucher, votre voix est parfaitement claire. Allez vite dormir. Bonne nuit. Tu sais que ça remarque m'intrigue. Vous savez que pour quelqu'un prêt à se coucher, votre voix est parfaitement claire. C'est bizarre. Il a des doutes. Pourquoi? J'ai pas bien dit ce que vous m'aviez demandé. Vous avez dit exactement ce qu'il faut. Faire tout de suite votre valise. Rester ici est impossible. Voilà, c'est elle, c'est ma sœur Lydia. Bonsoir, Lydia. Oh, Anna. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis avec des gens de la police criminelle. On t'a arrêté? Non, non, j'ai simplement des difficultés. Dis-moi, est-ce que je pourrais vivre avec toi pendant quelques jours? Oui, naturellement. Seulement, il faut qu'il s'en aille. Écoute, tu comprends, j'espère. Tu prendrais un taxi. Sois un bon garçon. Il y a des taxis au carrefour. T'as de l'argent? Oui. Je suppose que ça ne va pas être très facile pour moi.
Est-ce que je peux compter sur toi? Mais sois-en sûr, tu le sais bien. Harry, il va falloir tout me dire. Je veux savoir comment ça tourne. Il le faut parce que j'ai peur. Promets-le-moi, s'il te plaît. Elle est en danger? Oui. Nous le supposons. De toute façon, jusqu'à ce que je puisse mettre la main sur ce monsieur et le faire coller en prison. Combien d'argent il a perdu? Voyons voir. 10 ans, oui, disons 1,5 million, sans doute plus que ça. C'est une raison de se sentir nerveux. Eh oui. Je crois que je perdrais aussi mon calme si je savais qu'un million flotte dans les égouts d'Athènes. Elle restera avec moi le temps qu'il faudra. Très bien. Vous êtes chic. Mais quelle est votre profession? Je bosse pour la radio. Ah. Un poste privé dans le coin. Ah. Je fais un peu n'importe quoi. L'après-midi surtout. Vous m'avez entendu? Vers quelle heure vous passez? Entre 2 et 3. Oh non, toutes mes excuses, mais je suis à mon bureau, c'est l'heure de pointe à cette heure-là. Aimez-vous votre métier? Bien, assez. Garde les yeux ouverts. Notre motocycliste. Il a défaut numéro. C'est pas vraiment étonnant. Dis-moi quel est exactement l'endroit où vous l'avez perdu de vue. Enfin, une moto, ça peut pas disparaître comme ça. Et on a fait ratisser tout le coin. On a passé la nuit pour des prunes. On continue les recherches. J'ai fait transmettre la photo de la moto à tous les services concernés. Ouvre les rideaux, s'il te plaît. La seule chance que nous ayons, c'est qu'il vienne au rendez-vous avec ton hôtesse de l'air. Oui, elle a dit vers 3 heures. Il viendra sans doute pas. Tu penses qu'il a senti l'arnaque? Naturellement qu'il l'a senti. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne trouve pas la fille. Elle est en lieu sûr. De toute façon, cette petite peut nous être utile pour avoir un portrait de ce gars. Elle nous donnera une description exacte. Demande qui c'est. C'est le genre de situation à laquelle je ne suis pas habituée. D'accord. Qui est là? C'est moi. Qui ça, moi? C'est Harry, ouvre-lui la porte. Salut. Salut. Oh. Alors, ça gaze? Oui. Tant mieux. Mais dis-moi, tu as pleuré? Oh non, c'est... j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Oui. Je comprends ça. Vous arrivez juste à l'heure pour le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner? Non, mais il est 11 h. Ah, monsieur n'adore sans doute que les gens qui se lèvent non, tôt. Non, pas du tout. Mais je n'ai pas faim à cette heure-ci. Et pas de nouvelles? Non, car le bonhomme qu'on connaît sous le nom de Stein a dû s'envoler et reste introuvable. Vous prendrez un café, peut-être? Avec plaisir. Non, c'est très chouette chez vous. Asseyez-vous. Merci. Dis-moi, il n'y a rien eu chez vous? Que voulez-vous qu'il se soit passé ici? Ils auraient pu chercher votre sœur. Je pense que le danger n'est pas écarté. Vous avez vraiment des idées parfois étranges. Mais vous avez l'expérience de ces hommes-là. Mes expériences sont différentes. Lydia... Je prendrais bien un petit café. Harry... Il faut qu'on passe chez moi à 3 h. Tu crois que Stein viendra? Oui. On a une chance. Allô, j'écoute. Ici, Monsieur Stein, Madame Reimers. Oui, c'est moi. Il est 3 h, j'ai préparé le café. Où êtes-vous? Désolé de n'avoir pu être à l'heure seulement. J'ai eu un contretemps. J'ai vainement attendu. Ne m'en veuillez surtout pas, j'espère que c'est partie remise. D'ailleurs, nous pouvons nous voir n'importe où. Ce n'est pas très urgent. Et puis, j'aime bien faire attendre. 17, juste. Il ne faut pas se gourer.
Sa dernière phrase était une menace. Tu penses qu'on a une chance? Je n'en vois aucune. Il sait que la police l'avait mis sur écoute, il sait que la petite le connaît, il n'est pas tout seul dans le coup. Il va envoyer quelqu'un. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, c'est certain. Et que personne ne connaît. Non, non, non. J'ai horreur de ce genre de situation. Reimers. C'est moi, Harry. Alors, rien de nouveau? Non, pas encore. Je n'ai pas eu de problème. Seulement, je m'ennuie toute seule. Lydia est au studio? Oui, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as encore rien reçu? Absolument rien. Bon, un moment, tu vas m'attendre. Dans 2 heures, je passe chez toi. D'accord, je patienterai. Vous cherchez quelqu'un? Non, non, pas du tout. Je me suis gouré. Toute cette journée est consacrée à ce qui vous fera plaisir et à ce que vous souhaitez. Posez toutes les questions que vous voulez. J'adore le jazz. Que voulez-vous dire en parlant de jazz? Le jazz est une musique qui vous remue les tripes, qui vous prend. Et salut, Anna. Tu n'es pas venu depuis longtemps. Ravi de te voir. Alors, d'où tu viens? Elle arrive d'Athènes. Quelle chance, tu as une vie étonnante et nous, on est des esclaves. Anna peut dire qu'elle est une esclave volante. Oh, mais Anna n'est pas Sunderman une esclave comme nous. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Sunderman, on se tire. Bah, écoute-moi, Lydia. Ce soir, t'as un peu de temps. Tu veux m'emmener faire un tour avec vous? Une bonne idée, ça. Oh, ce serait... Fantastique! Arrête, je vais craquer! Mon sang ne fait qu'un tour, j'en tremble! Je vole sur un tout petit nuage! Ciao, je vais sûrement rêver pendant des heures! Voici. Merci. Est-ce que t'es folle et pourquoi est-ce que tu es venue? Tu devais rester à la maison. Je voulais aller faire un tour. J'avais envie de sortir, de respirer un peu. En sortant, j'ai vu un jeune homme. Il a sonné chez toi. Tu attendais quelqu'un? Un jeune homme? Pas du tout. Je connais du monde, mais j'attends personne. Bien sûr, quelquefois, on vient sans me prévenir, mais quel genre était-ce? Environ la trentaine. Un gars avec une veste en cuir. Mais l'air correct. Un gars avec une veste en cuir? T'appelles Harry au téléphone et tu le mets au courant. J'ai une émission en cours. Attends-moi. Oui. Harry, écoute, quelque chose vient de se passer après que tu m'aies téléphoné. Je voulais me promener. On a sonné, j'ai pas ouvert la porte. Quand je suis sortie, j'ai vu un jeune homme qui avait une veste en cuir noir. Non, mais où es-tu? Je suis venue au studio voir Lydia. On va rentrer à la maison. Un petit moment. Écoutez, ici Derek, je vous avais demandé de rester où vous étiez. Oui, si vous me le dites. Dites-moi, est-ce que votre sœur a un parking souterrain? Oui. Bon, dans une heure, exactement une heure, ni plus tôt ni plus tard, vous emmenez la voiture dans ce parking. Décrivez-moi votre bonhomme, si vous le pouvez. Il fait à peu près 1m80. Il a les cheveux bruns et il a environ 30 ans. Sera de votre côté dans une minute. Bien compris, Derek. À toutes les voitures, allez-y, foncez! J'espère qu'ils le coinceront cette fois. Mmh.
On n'est pas en retard? Que s'est-il passé? Oh, rien. Rien du tout. Prost. Le garage était un piège. Ils ne m'ont pas eu. Bon, attends. On a gagné. C'est très bien. Lâche ça. Et Prost. Prost. Voyons ça, vous êtes bien Monsieur Stein? Je suis le docteur Stein, j'aime bien mon titre. Oh, toutes mes excuses. Vous voulez nous arrêter? Exactement. Nous pouvons leur offrir quelque chose à boire? Mais... On vient de les piquer. Alors, en fait ça? Vous avez l'air inquiet. Harry. Nous avons coincé deux bons hommes, le docteur Stein et un nommé Keller. Oui, c'est déjà un pas important. Mais nous ne savons pas combien de gens sont encore dans le coup. Alors personnellement, je vous conseillerais de ne pas vous réjouir trop tôt, toutes les deux. Ça n'empêche qu'on peut trinquer. Tu penses qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge? Non. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. On pourrait sortir? Non, j'aime mieux rester et me détendre. Il me semble que de nous deux, c'est moi qui peux combiner les affaires importantes et les plus utiles. Je crois que tu le peux également. Mais la musique... Aujourd'hui, une auditrice a demandé passer du jazz. Cette musique m'arrache le cœur. C'est ce que tu ressens? Un peu, oui. Anna, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens mal? Non. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens surprise, c'est tout. On est deux. Je croyais qu'on avait
J'ai oublié. Quelle drôle d'idée. Je suis à vous dans une seconde. Waouh. Merci Léo. Dis-moi, les mecs avec Sunderman, tu les connais? Ce sont deux comédiens, mais laissez tomber. Pourquoi? Je vais vous donner un bon conseil. Ce sont des gars dont j'ai horreur. Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils sont pas clairs. Ils s'attirent comme des mouches. Il y en a plein à la baraque, et tout de suite derrière, il y a les poulets. T'en vois ici? En ce moment, non. Allez, amusez-vous bien. Ce sont des camés? L'endroit est bien connu pour ça. Seulement quand il dit qu'il a horreur de ces gens-là, il ment. Ils viennent ici parce qu'ils y trouvent ce qu'ils cherchent. Et Sunderman? C'en est un, lui aussi. Ça se voit pas trop. Pourtant, il ne s'en cache pas. Il dit qu'il faut ouvrir la porte et tu passes au paradis. La porte s'ouvre et se referme. De plus en plus difficilement. Un beau jour, c'est foutu. Oui, oui. Salut, Anna. Alors, ça gaze, hein? Oui, ça va, merci. Quel parfum formidable, enchanteur. Tu vois, les mecs au bar, ils sont sympathiques. Et tu voudrais pas faire leur connaissance? Non, j'ai pas envie ce soir. T'as pas envie ce soir? Dis-moi, chérie, est-ce que t'es malade? Allons, prenons un petit verre. Ah, vous avez commandé pour moi? Tu prends tes désirs pour des réalités? J'ai du mal à comprendre, alors. Merci quand même. Je retourne vers mes amis, car ils seront très vexés que vous ne vous occupiez pas d'eux. Ce sont des garçons sensibles. Et je vais revenir. C'est promis. Il a envie de remonter au paradis. Je suppose que ces messieurs ont le pouvoir d'ouvrir la porte. Écoutez, Derrick, la perquisition chez Stein n'a rien donné. Rien dans l'auto, ni au garage. Rien du tout. On a fait un fiasco total. Au fait, vous lui reprochez quoi, au juste? D'avoir voulu prendre livraison de 2 ou 3 kilos d'héroïne? On n'a trouvé aucune miette d'héroïne. Que des documents scientifiques. Qu'on a pu fort gentiment ramener jusqu'à Munich pour lui faire plaisir. Donc l'héroïne est ailleurs. Mais personne ne l'a vue. Quant à votre hôtesse de l'air, elle peut raconter des salades. Oh. Tout ça est idiot. Savez-vous au moins où Stein travaille? Et vos documents, à qui ils appartiennent? D'autre part, vous êtes certain que cet homme est un biologiste? Mais bien sûr qu'il ne l'est pas. Naturellement, il ment. Seulement, qu'est-ce qu'on peut y faire tant que l'héroïne est introuvable? Ce gars nous tient. Tout ce que nous avons comme reproche à leur faire, c'est très peu de choses. Être en possession de revolvers. Bon, c'est de la rigolade. Bon, ils en ont un chacun. On ne peut pas les coller en tôle pour ça. Oui, c'est-à-dire que demain, ces types seront libérés. Stéphane. Stéphane. Oui. Je crois que de toute façon, il y a dans cette histoire quelque chose qui m'échappe. Reimers. Écoute bien ça, Anna. Nous n'avons aucune preuve contre lui. Il faut qu'on le laisse sortir. Tu as entendu, Anna? Oui, j'ai compris, Yari. Seulement, que se passera-t-il ensuite? Je ne sais pas ce qu'il y aura. Ta situation n'a absolument pas changé. Harry. Un moment. Derrick veut te parler. Écoutez, Madame Reimers, on a peut-être encore une chance. C'est une confrontation. Et vous allez lui expliquer tout ce qui s'est passé. Vous entendez? Oui, j'ai entendu. L'homme va vous faire un grand numéro. Il va sans doute nier vous avoir donné la cam. Seulement, il faudra qu'il écoute attentivement vos explications. Je suppose que c'est important. Vous croyez que c'est la seule chance? La seule. Bon, Madame Reimers, il faut qu'il vous écoute. Il ne va sûrement rien changer à son point de vue, seulement il connaîtra votre situation et vos idées, c'est l'essentiel. Et peut-être se troublera-t-il. Je peux être présente? Non, vous ne bougez pas. Allez, venez.
Racontez-nous toute l'histoire. J'ai connu au Pirée un certain monsieur. J'ai compris que ce monsieur était un expert. Alors il m'a demandé de bien vouloir ramener un paquet, des documents scientifiques, disait-il. Naturellement, il nous est strictement interdit d'apporter quoi que ce soit en Allemagne, ni de le transporter. On n'a même pas le droit d'amener une lettre. Je savais l'erreur que je commettais quand j'ai fait la promesse de lui rendre ce service. Et il m'a remis une valise qui était un petit peu plus lourde que ce que j'avais pensé. J'ai eu des remords, je suis retournée au Pirée pour lui rendre la valise. Mais je n'ai trouvé ni l'homme ni le bateau. Je ne savais plus comment m'en sortir. J'ai voulu tout ficher en l'air. J'ai mis la valise en morceaux et... J'ai trouvé 3 sachets en plastique, remplis de poudre blanche. C'était peut-être de l'héroïne ou de la cocaïne. Je savais rien du tout. Ensuite? Je savais plus du tout où j'en étais. J'étais dans ma chambre à Athènes. Il fallait que j'aille à l'aéroport pour mon avion. J'ai été prise d'une trouille atroce. J'ai balancé toute la drogue dans la salle de bain de la chambre. J'ai tout collé dans les toilettes. C'est incroyable, toute cette histoire. J'avais une telle peur qu'aussitôt arrivée à Munich, j'ai immédiatement téléphoné à la police. Parce qu'on devait envoyer un homme pour reprendre la valise. Il ne voudrait jamais le croire. Alors j'ai appelé la police pour qu'elle me mette en sécurité. Vous avez donc jeté quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez jeté? Vous voulez nous le dire? C'était peut-être de la poudre et rien de plus. De l'héroïne, de la cocaïne. Ça n'existe que dans votre imagination. Du calme, docteur Stein, taisez-vous. C'est comme les documents scientifiques qui n'existent que dans la vôtre. Mais qui êtes-vous? Quel genre de scientifique êtes-vous? Docteur Stein, vous êtes sans profession, vous avez beaucoup d'argent, et le milieu vous connaît en tant que trafiquant. Vous avez même un nom dans ce domaine. Seulement, on n'a rien pu prouver contre vous. Pour moi, et pour nous tous, il est évident que vous attendiez quelque chose. Une livraison d'héroïne. Pour moi, il n'y a qu'une chose de sûre. C'est que son imagination n'est pas une raison pour me retenir dans vos locaux. Et si vous n'avez que ces preuves-là, je dois être relâché. Vas-y, raconte. Bon, alors maintenant, on peut sortir? Je n'ai rien contre. En tout cas, merci encore. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Je te téléphonerai. J'espère. À bientôt, Madame Reimers. Sunderman? Ça veut dire quoi? Une merveilleuse conclusion à cette histoire. Tu ne trouves pas? Oui, oui, oui. Dis-moi, Stéphane, elle n'a plus rien à craindre, j'espère. À craindre? Je trouve qu'elle a pas mal de sang-froid, cette petite. Que veux-tu? C'est une autre génération, c'est ça, la nouvelle génération. Ah, bien sûr. Tu trouves ça normal? Oui, elle est indépendante, avec plein d'idées, avec des opinions précises, sur toute chose. Nous sommes des hommes qui ne suivons pas. On a pris du retard. Je ne sais pas comment t'expliquer tout ça, mais on n'a plus sur elle la force qu'on avait auparavant. Et ça me fait peur. Oui, mais c'est ainsi. Et la sœur, qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose. Elle a des hommes tant qu'elle en veut. Seulement, elle n'est pas très tendre. Pourquoi? Moi, ça la travaille pas beaucoup. Ah oui. Oui. Et toi, dans tout ça, tu penses que tu te situes où? Excuse-moi. J'ai parfois la sensation qu'elle me prend pas au sérieux. Je veux dire, qu'elle me prend pour un jouet. Je ne me sens pas plus heureux pour autant. C'est drôle, non?
Allô? C'est moi, Harry. Est-ce que Anna est là? Qu'est-ce que vous faites ce soir, dites-moi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh bien, j'en sais rien. On ne bouge pas de chez nous. Bon. Est-ce que je peux lui parler? Anna, elle est dans son bain. Je suis navrée. Elle peut vous rappeler? Oui, bien sûr. Oui, je reste au commissariat. Ok. Bon. Salut. Salut. Elle va retéléphoner. Ah, retéléphoner. Some people they tease one another, take pride in themselves, keeping the other one down. Well, I'm not like that at all. Anna voudrait te parler. D'accord. T'es complètement pété, rentre chez toi. Allez, dehors. Tu voulais me parler? Oui. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Bonne nuit. Bonne nuit, Vili. Soir, Vili. Bon, alors, tu ne vas pas coucher là? Il n'y a personne. Elle m'avait dit pourtant qu'elle resterait chez elle. Écoute, tu m'as dit tout à l'heure, ce sont à présent des femmes indépendantes qui ont leurs idées, qui font ce qu'elles veulent. Elles ont bien le droit de sortir. Ouais. Derrick, on vient de recevoir un petit coup de fil. Sur le marché, on propose 3 kilos d'héroïne et on sait pas d'où ils viennent. Je trouve ça assez comique, pas toi? Mmh. Oui, oui. Merci. On propose 3 kilos d'héroïne. Bon sang de bon sang. Harry, un petit moment. Qu'est-ce qu'Anna nous a dit? J'ai brusquement eu une trouille atroce, j'ai balancé toute la drogue dans la salle de bain de la chambre. J'ai tout collé dans les toilettes. Elle n'a rien fichu en l'air. Elle a pu ramener la cam et elle l'a vendue pour son propre compte. Je ne crois pas. Ce n'est pas vrai, tu le sais. Pourquoi? C'est possible, non? Mais ce serait de la folie. Parce que tu refuses de regarder les choses en face. Elle s'est foutue de nous. Oui, c'est une fille très bien, jolie, cool, calme, sans une once de morale et pourrie. De nos jours, ça n'a rien de particulier. Tu te grouilles? T'as montré la marchandise? Impeccable. Et pour mon pognon? Caché tout de suite. Il y a combien pour moi? Le tiers. Qui sont ces gens? Pas de nom. Ils sont corrects. Ils prennent le tout. Quand est-ce que vous pouvez livrer? Dans la nuit. D'accord. Il n'y a personne. Sanders a dit que l'héroïne était à vendre. Alors peut-être que le docteur Stein a pu la prendre. Elle doit être là. Viens voir. Et la voilà. Enfin, je la tiens. Non. Si. Oh. On a eu du bon. Lydia, la valise n'est plus là. Croyez-vous que vous auriez fait une bonne comédienne? Ils sont partis. Oui, peut-être que Anna est repartie à son appartement. Il y a de la lumière. Viens. On va aller faire un petit tour. Allez. Viens, mon chien. Ah!
police, restez où vous êtes. Tournez-vous. Harry, est-ce que tu veux t'occuper de faire le nécessaire? Judge Richard Fulconi ruled yesterday in small claims court against Tom Horsley, who sought the money from Allison Cheeselet, 31, because she had backed out of a date to accompany him to the theater. Miss Cheeselet and was incensed that she had not called him before he left home to tell him the date was off. George, explaining his decision, said the promise to engage in a social relationship for one evening in exchange for affection and or one evening at the theater is unenforceable under the law of contracts or torts. A tort is a civil wrong not involving a contract.